Je viens de commencer la vidéo, je fais une petite pub pour mon GFX, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je mettrai le lien de sa chaîne en description. C'est celui qui me fait la miniature, enfin les miniatures en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est également lui qui a fait la miniature de cette vidéo, donc voilà, si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'il fait comme miniature, voilà, vous savez, cette miniature là, qu'il a fait, et donc les prochaines qui arriveront sûrement aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, encore une fois le lien est dans la description, et donc on commence la vidéo, go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout serait bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on fait un petit pack opening. Je fais un petit coucou. Donc là il y a un petit coffre de clan, il y a un petit coffre de quête, on a un coffre gratuit. On a également un petit coffre à couronne, on a également un coffre en or, trois coffres en argent. Et je crois que c'est tout, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, je crois qu'il y aura un petit coffre qui va arriver peut-être. Peut-être le coffre à couronne, ou je sais pas. Ou sinon on fera un petit défi. On fera le défi, on fera une attaque, et c'est comme ça, si je perds, il y aura un coffre. Et si je gagne, ben tant mieux. Ça me fera un petit peu plus d'or. Bref, attendez, je réponds. Attendez, je réponds, voilà. Alors, coffre de quête, coffre gratuit, on commence direct. 3 cartes, 103 d'or. 12 fusils à squelette et 2 mini PK. Donc là on va essayer de chercher par contre la nouvelle carte. Enfin les deux nouvelles cartes qu'on peut avoir. Bon celle-là, la carte épique, il y a moins de chances de l'avoir dans les coffres que j'ai, mais celle-là, l'électrocuteur, il y a moyen de l'avoir. Donc coffre en argent. 3 cartes, 74 d'or, 12 esprits de feu, 2 gobelins à sarbacane. Ok. Ah bah je vais avoir un petit truc. Je vais avoir quoi? Je vais avoir 10 gemmes et 20 points de quête. Ok. 85 d'or, un gobelet à sarbacane, 13 géants royaux. Ok. Dernier coffre en argent, 93 d'or, une roquette, 13 géants royaux. Ok, bon pour l'instant rien de spécial. Coffre en or, 222 d'or, 2 machines volantes, 14 barbares d'élite, 2 guérisons. Et 26 fusils à squelette. Donc pour l'instant, pas de nouvelles cartes. Coffre à couronne, c'est parti. 634 d'or, 3 gemmes, 5 chevaliers, 18 archers, 8 extracteurs et 56 gargouilles. Ok, bon, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Bon, on va attaquer, on fait une petite attaque dans le défi, puis après on ouvrira pour finir le coffre à couronne. Donc là, fût à gobelin, sorcier. Bûche, ouais, j'ai préféré prendre le fût à gobelin. Là, je vais prendre la nouvelle carte épique. Comparé au géant royal, je me suis dit, oh, ça a l'air mieux. Donc je l'ai pris. Donc, c'est parti. Défi électrocuteur. Électrocuteur. Donc là, j'ai pas une main excellente. Mais je pense. Bon, ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. Ok, géant royal, nickel. Nickel, nickel. Même pas. J'ai même pas besoin de mettre le sort de soin. Même pas besoin. Donc là, ben, nickel, parce qu'on a économisé pas mal d'élixir. On a économisé pas mal d'élixir. Je vais mettre la princesse. Et on a fait pas mal de dégâts. Presque 1000 de dégâts sur la tour de gauche. Donc c'est pas mal. Petit sorcier de glace. Mettre la Valkyrie. Hop là. Tissu à gobelet à gauche. Et on va mettre la bûche. Ok. On va mettre la princesse ici à gauche. Donc la petite bûche à droite, mais bon, ça va. Ah par contre là, dommage à gauche. Il reste 15 points de vie. J'aurais pu quasiment. Bon, on va mettre la bûche. C'est vrai que j'ai la bûche, donc autant l'utiliser. Donc pour l'instant 0, mais c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. On va mettre le sorcier de glace. Alors j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait continuer tout droit le sorcier de glace, en fait non, heureusement. Heureusement, heureusement. Parce que sinon c'était chaud. Sinon c'était chaud, ben, on part attaquer. Ben, là pour l'instant pas trop de difficultés avec ce deck en fait, mine de rien. Au début j'ai eu un petit peu peur, mais en fait
Ça va. Petite princesse qu'on va mettre à gauche pour pas qu'elle se fasse toucher par le bouliste. Sorcier de glace, Valkyrie. Hop là. Bon, mais petite bûche. Bah, nickel. Après, toi, la bûche, j'aurais pu la mettre légèrement à droite. Ça aurait tué le petit. Je sais pas comment il s'appelle ça, déjà. Le petit gobelin. Enfin, non, c'est pas un gobelin. Je sais pas comment il s'appelle exactement. Mais ça aurait pu le tuer, c'est dommage. Ok, j'ai raté. C'est pas grave. Bûche. Sorcier de glace. Bon, 0. J'aurais peut-être pu voilà, viser 2-0. C'est dommage. C'est vrai qu'il reste 600 points de vie. Mais on n'a pas le temps. Ouais, c'est trop chaud. Donc voilà, 1-0. On gagne bah, du coup pas d'or parce qu'il faut que je fasse encore une victoire. Je suis à 2 ou 3. 2 victoires. Mais là, du coup, la 3. Ah, par contre, ouais, j'ai terminé une quête. J'ai pas de coffre avec cette quête, je crois pas. J'ai 1000 d'or, c'est pas mal. 1000 d'or et 20 points de quête. Et après, ouvrir des coffres, je vais avoir 10 gemmes et 20 points de quête. Bon, allez, pour finir le coffre de clan, donc 5 sur 10, on s'est amélioré comparé aux autres. Parce qu'avant, c'était très très peu, là, on a fait quand même pas mal. Donc 660 d'or, 7 squelettes, 24 esprits de glace, 67 géants royal, un gobelin sarbacane. Et pour finir, on est pique. Dommage, on a une armée de squelettes. J'aurais bien aimé avoir la nouvelle carte. Mais je sais pas si on peut l'avoir parce que moi pour l'instant j'ai pas eu la nouvelle carte, donc peut-être on peut pas les avoir. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il faut attendre que la fin du défi, donc dans un jour et 18h. Je sais pas. Bon, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit pack opening. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Là, ciao.